On voit un rat qui dépasse. Salut! Qu'est-ce que tu fais avec Toutou là? Oh, avec Titi? Casquette! Ma casquette, j'ai rien à remettre. Et tu le vois pas, hein? Tu le vois zéro. Tu vois des rails qui dépassent là, regarde, regardez. Bonjour! Alors nous sommes au PAL. Je pense que vous l'aurez deviné, hein. Après Volibé Ronald Pierre. Ouais, et enfin un autre lot à pneus. Voilà. Chapneux même. Un autre multilum chapneux, une termine. Voilà. Non. Et Yukon Quad est là, regardez, il passe pas. On peut aller le voir. Ouais. Voilà. C'est quand même sympa. Oh, regarde comment il est bien intégré là. Nous sommes sur Yukon Quest. On était sur des dips hier, aujourd'hui on est sur des quads. On a changé de moyen de locomotion. Ouais, moyen de locomotion. C'est familier ça? Bon, bon, oui, non, par contre, ça reste familier là-bas. Oui, non, je suis. Comparé à Maoka, oui. Mais le temps de familier, pour moi, tout ça. La deuxième partie est excellente. Oui, la deuxième note de la deuxième partie est très bien. C'est dans le cadre de famille. Oh oui. Attention explosif! Explosion! Bon, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, c'était très bien. Ouais, c'était très bien. Comme en famille. Ah. Je me suis niqué le genou à cause du banc. À cause de quoi? À cause du banc. Oh bah, à un moment donné, tu fais aucun effort. Bref, là, on va faire la partie zoo. Eh, les loups sont par là. Ouais, donc là, on va aller faire toute la partie zoo. Ouais. Parce que là, c'est quoi déjà, ça devant? Il fait déjà chaud. Oh, c'est un truc féminin, c'est marrant. Oh, c'est où? Ah, c'est bien intégré par contre à 42 points comme ça. Oui, non, mais c'est très joli. Le parc, en tout cas, a plus de charme. Hein, oui. Que Wally, pardon. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon allez, on va aller voir nos compagnons. On va dire ça. Oui, bah après on va voir les autres animaux. Bah oui, bien sûr. Faire au moins le petit tour du parc. Ouais. Et après, juste après, on va les manger. Oui, on va aller chercher les crédits. Et après, on va chercher les crédits après manger. Il y a twisty ouais. Comme coaster quand même. Ouais, ouais, pour tout ça, 10 mètres de haut, c'est quand même très très bon. Hello. Oui, il y en a un là. Hello. Les sur son rocher. Les sur son rocher, regardez. Là. Là, tu vois bien les. Là où ils ont l'habitude de passer tout le temps. Leur chemin de passage.
Ouais, c'est marrant, quand les gens le savent, t'as des loups là, Yukon Quad est juste là quand même. Ouais, Yukon Quad est là. T'as les loups juste là. Il est trop mignon. Dos, hein, parce que là, ça oui. va, la température est, ça va, mais. Ouais. C'est cet après-midi qu'ils vont faire dodo. Ouais. Mais on va dire, ouais. On préfère aller voir le matin parce qu'on sait que ça va dodo en après-midi. Mmh. Même des midi. Yeah. Yeah. Ils ont un bel espace quand même. Voilà. C'est l'espace qu'il faut, quoi, vraiment. Ouais, c'est ça, c'est... Par contre, il est tout seul, où est sa mère? Et il y en a un qui tourne là derrière. Ah, on entend le bruit des pneus. Là, on va le voir ici, on a un beau fun. Il se froisse trop. C'est tarot pour les enfants. C'est un très très bon rail pour les enfants. Ouais. Non, c'est le tarot familial. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Surtout après le deuxième lot, là, le virage bien serré sur la droite. Là. Ouais. Ouais, il rend bien. Il rend bien. Il est où le coco là? Ouais, il est parti là-bas. Il est parti là-bas. Bon, ouais, allez, là-bas. On va aller le voir. Sinon, ça c'est très bien. Il y a les points de vue ici. Regarde, pas... Ouais, ouais, c'est des très beaux points de vue. Ouais, ça, non, excellent. Ouais, c'est parti, très bien. Ouais. Là, même le changement de direction. Viou, changement de direction. On rate sol. Voilà, changement de direction. Viou, viou. Voilà. On rappelle que c'est censé être du familier. Hein. Bah, c'est familial. Regarde, en plus, tu vois, les loups, ils ont des. Ouais, ils ont des. Bah, oui, ça, à mon avis, ils vont être là-dedans de sa famille. Ah, y a, tu le vois, il est là-bas. Il est là-bas. Le bébé qu'on entend, c'est quand un éléphant, il filme à l'arrière. Bip, bip. Moi, j'avais autre chose en tête, mais je vais pas le dire. Ouais. Nathan le saura quand on voit un éléphant. Oh. Est-ce qu'il va attraper des papillons? Ah non, mais il se fait du sable sur lui pour qu'il n'ait pas chaud. Ça, les éléphants. Bon, sinon, les enclos, elles sont très mignons, par contre. Hein. Ils ont de l'espace, ils ont bon. Ils ont ce qu'il faut. Là, il y a des émeutes là-bas. Des émeutes d'Australie. Attention. Ah, est-ce qu'on peut passer par là? Non, on peut même pas passer par là. Demi-tour! Franchement, le parc est très agréable. Ouais, la partie zoo du parc est calme. Surtout en matinée, là on voit que les attractions sont assez prises d'assaut le matin. Mais on sait très bien qu'on préfère voir les animaux quand c'est. Quand il fait une forte chaleur quand comme ça. Quand il fait une forte chaleur privilégiée, quand il fait moins chaud, c'est-à-dire le matin. Ou en fin de journée, mais quand c'est canicule comme ça, même en fin de journée, il fait plus de 30 degrés, donc on en fait le matin. Surtout quand il fait chaud quoi. Ouais, genre là il est déjà 11h, il fait déjà 30 degrés. Quasiment. Non, même tu oublies pas ça. Et nous voyons un lion. Un gros lion d'ailleurs. Un gros lion. Qui fait dodo à côté de ma place. Il fait dodo à côté d'une Jeep de ma place. C'est vrai, tout va bien. Voilà. Wow. Les enclos sont immenses par contre. Ouais, non, mais même celui des loups, là, on le voit là, on sait pas d'où. Oui, oui, par là-bas. Les loups sont immenses, les chimpanzés sont immenses, ceux des éléphants, je m'en parle pas. Non, les loups, c'est pas ceux les plus grands, mais pour des loups. Pour des loups, c'est à Paris des Arts, c'est beaucoup plus petit. Hein. Oui, je pense aussi, ouais. Et après, quand on prend l'enclos des éléphants... L'enclos des éléphants, il est immense. Tu peux mettre toute l'Afrique là-dedans. Ouais, c'est le genre de truc où c'est genre de... Comment dire bien. Dans les autres, ils auraient mis plusieurs espèces. Ouais, ouais. Tu pouvais mettre éléphants, zèbres... Ouais, non, ils ont choisi de mettre des enclos immenses. De l'autre côté du parc, c'est encore pire en termes de taille d'enclos. C'est assez fou. Ouais, mais ce que je disais, c'est ça change de Paris des Arts. Ici, c'est un zoo, mais qui est boisé de la tête aux pieds. Ouais, Paris des Arts. Et on fait de la marche. Tu fais de la marche. Ouais. Paris des Arts, tu as des trucs, des moments avec des forêts et tout ça. Ouais. Mais par contre, c'est la thématisation qui prend le dessus, quoi. Oui. Genre, les enclos des animaux sont thématisés de la tête aux pieds. Et après, t'as Beauval aussi. Et après, t'as Beauval que j'ai pas encore fait. Ouais. Non, qui a beaucoup de relief. Ouais. Mais en tout cas, c'est. Où les enclos sont nettement plus petits à Beauval. Ouais. Et en tout cas, c'est super agréable de se promener là-dedans. Waouh! Wow. La peinture est très neuve. Ah ouais, j'ai l'impression qu'ils ont donné un bon coup de peinture aux touristes. Ça y est, on a fait un peu le zoo. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça fait toboggan. Ça fait toboggan. C'est vert, on peut rentrer. On a fait un peu le zoo, mais non, mais même dans les files d'attente des coasters, il y a des trucs pour les animaux. Il y a un loup! Il y a Togo. Togo. Il y a 15 ans le truc. Ah non, c'est la jeune fille qui est là. Ah, la file d'attente s'arrête là. On verra bien, à train. C'est écrit 15 minutes, donc on leur fait confiance. Allez, les gars.
Bon, du coup, nous sommes sur le twist, mais en single, parce que un peu de monde en normal. Tac, tac, tac. Les gens de voix ici. On connaît, hein, on a fait de Verval Vin à Toverland, c'est exactement la même chose. Wouhou! Ouais, oh, c'est bon par ici. Toujours aussi fun, hein. C'est un excellent famille. Comme vers le vide, Nato Valence, c'est exactement la même chose. Avec Emric hein, qui est au téléphone devant, hein. On a mangé, on a fait le twist en single, on a fait Yukon Quad, on a fait déjà les deux attractions principales du parc. Ouh, ceci, t'as l'ancien modèle d'Azteca, je crois, à mes souvenirs. Voilà, c'est un casse-cochon. C'est la sortie des. Oh, ils sont bien intégrés par contre, ceux-là. Donc, nous, on va aller faire Azteca, on a vu qu'il y avait 5 minutes, donc ça va pour. Ça va. Il y a un fond monde, mais c'est pas la mort non plus, hein. On avait quand même Fjord à 40 minutes. Donc on verra bien au fur et à mesure de la journée qu'est-ce qu'on va faire. Là on a vu Azteca à 5 minutes, on fonce. Après on va aller chercher les derniers crédits bien sûr, il y aura 7-3 derrière. Le Tic de Sibéri, Fjord et le Disco à faire. Aïe, ça va le Disco. En même temps on est en France. Après c'est gaz et stress, ça va gâter. Bah après l'autre c'est le français à côté. Oui bah l'autre c'est plus, apparemment il est nul. C'est pas mal, nous c'est le français. La gamme. On va peut-être aller le faire lui. Il
ils ont été contents d'être filmés dans le film. Après, le family est vraiment pas dégueu. Ouais, c'est vraiment pas dégueu. C'est peut-être le meilleur soké que j'ai fait, ouais. C'est un soké qui ne tape pas. Sachant que j'en ai fait pas mal des sokés, moi. Et dans les EDX, ça pousse assez bien dans le G+, pour du familial. Oui, bah vraiment, c'est... Vraiment, il fait son top. On est mental, ouais. Plus. Par contre, lui en face, là... Par contre, on va faire ça. Aïe, aïe, aïe. Oh, tiens, c'est pas chez toi, ça, par exemple, constructeur? C'est pas mal, non, c'est français. Ah, bah oui. Sokés aussi, c'est français, mais ça, c'est réversion, c'est chez toi, là. Hein. Du réverchon. Du réverchon. C'est pas de chez moi, arrête de dire ça. Après, ouais. C'est terrible. Mais c'est marrant celui-là quand même. Tu les rides, hein, avec à l'intérieur. Ah, tu vois les rides déjà, ça fait gauche droite, gauche droite. Ouais, tu vois, tu rides. Oui. On va voir qu'ils ont pas un gros strip. Bon, elle est où l'entrée par contre? C'est pas par là, je crois que c'était par là. Non, c'est là-bas, regarde, la gare est juste là. Ah, la gare est juste là. Là, tu la vois. Ah, ouais, la gare, d'accord. Et c'est parti, la gare est penchée, hein. Du coup gravité. Comme Godieu. Comme Godet, c'est pareil. Tu vois, en plus, regarde, ça fait. Et ça remonte un petit fil. Tu touches ou pas? Non. Non, tu touches pas. Je sais pas si vous connaissez, ouais. Je suis moins confiant à Casteca là. Et la drogue, j'ai pris la drogue la gueule. Oh, il est beau par contre, le chaise volant. Oula. Ah. Ouais, c'est ça, regarde, petit drop. Oui. Il a des rails, il peut pas taper. Oh, ça tape pas. Incroyable, je pensais que ça allait taper. Bah non, ça tape pas tant que ça. Et voilà, on est devant la nouveauté de cette année du PAL. Fjord Espoir avec 20 minutes d'attente, ce qui est très raisonnable. Ouais, très raisonnable, surtout qu'il fait 31 ouais, degrés. Ouais, surtout qu'il fait 31 degrés dehors. La météo, il y a des nuages qui sont apparus, donc il fait un peu moins chaud. Ouais, par rapport à hier à Wallibéronac. Par contre, je suis désolé. Oh, j'adore ça. On est en Scandinavie. C'est bon, c'est parti. J'adore ça. C'est beau. Ah, en tout cas, le sol là, il fait un peu bétonné. Mais attends, le sol de la file d'attente, c'est très sympa. A voir si on entend plus ça. Hein. Ah, ça se voit que c'est tout neuf. Hein. Ah, ça se voit que c'est tout neuf. Hein. Moi, il y a un peu de doute, c'est bien. Ouais. Waouh. Regarde là, c'est un guichet. Attention, vous êtes prêts? Il y a un truc de Krampus là? Oui, regarde, oui, il y a Krampus. C'est mignon. Allez. C'est marrant, les écrans sont bien foutus. Ah, par contre, ouais, les écrans sont mieux foutus. On dirait EP. Ah, ouais. C'est EP, les gars. J'ai l'impression d'être un Rulantica là. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment les mêmes pièces. Ouais, ça fait très bon en tout cas. Tellement bon ça, on va pas partir. Ouais. Ouais, c'est vraiment là, très bon et tout. Voilà, la gare est là. Bon voyage, objet trouvé. Franchement. Ouais, ok, il y a le gros parc à bœufs quoi, c'est tout. Ouais, au moins, je vois le truc. Ah, c'est beau par contre. Hein. Désolé, ça a vraiment une meilleure gueule que le Krampus. Ah, petite goutte. Petite goutte. Il y a des nuages dans le ciel. Mais grâce à ça, il fait pas si chaud. Enfin, c'est supportable. C'est parti pour d'ailleurs, de base, on devait pas avoir le first, on devait avoir le last, mais il y a... Il y a une famille derrière qui nous a laissé le... Il y a un monsieur qui nous a laissé le first, hein. Elle est devant. Ah, merci. Bah, merci beaucoup à ce monsieur. Il voit la vidéo, il se reconnaît pas. C'est trop beau par contre.
Le moulin, ouais, j'aime bien le moulin. Ouais. C'est mieux qu'une tête de Krampus. Avec une tête de Krampus mal foutue, ouais. Ouais, un peu mal foutue, ouais. Donc, là, il y a la cascade à gauche, là, il y a le train qui passe juste en dessous. Ouais, c'est joli, hein. Ah. Ça va vibrer ou pas? Ça vibre déjà dans le livre. Ça, c'est pas la tête. Tu as ta réponse. tu as ta réponse en avant. Ça vibre en attendant après ça. On verra bien. Il est très joli, d'ailleurs. Ouais, ça aura une petite tour du pêche. C'est parti! Ça vibre un peu effectivement. Alors, bon, ça mouille pas tant que ça, mais ça va. Ça mouille pas tant que ça, oui, d'accord, mais ça mouille assez le visage. Ouais. Les vibrations, ils sont là, bah ça, sans douter. Ouais. Par contre, le layout a une bien meilleure gueule que celle de Krampus, hein. Il y a un beau floating sur le... Ouais. Tu mets bang sur le côté comme ça. Et t'as un beau floating, tu flottes dans ton siège, très bien. Bon, ça c'est cool. On le refera et... Oh oui, dans la journée, oui. Oui, oui. Il y a 20 minutes. Et la première descente passe très bien. Ah oui, nickel. C'est mieux foutu qu'un Krampus. Ah, bien mieux foutu. Mais encore, le principal défaut de ces coasters là, c'est les vibrations. Ah, t'as l'air d'être bien mouillé sur le pont. Ouais, oh, c'était comment? C'était très bien. Bah, c'était chouette en vrai. C'est ça vibre autant que le Krampus, mais c'est mieux. Bah, c'est les mêmes vibrations que qu'un water coaster Mac. Hein, ouais, mais voilà. Mais au moins, lui, pareil. Ça se voit qu'il est neuf parce qu'il est assez fluide. Dans le bah, après, Krampus, c'est aussi assez fluide, mais c'est ouais. Vraiment les mêmes vibrations. C'est juste que le parcours. Ah, il y a le flume qui est juste. Oh putain, le flume, il est putain de tête bien ouais, intégré. Là, c'est l'archipel, c'est le petit bateau là, c'est ça. Ah, bah, demi-tour. Non, c'est pas là. C'est pas là le dernier crédit. Attends, c'est pas le crédit, mais après, le flume, s'il y a pas forcément grand monde. Ah, si, il y a du monde. Mais plus tard dans le monde, ouais, peut-être plus tard. On verra bien. Genre quand on retournera encore plus toi, par exemple. Oui. Là, et n'oublie pas qu'à 16h50 on est devant les loups. Hein. Oui, oui, parce qu'il y a le nourrissage des loups et ça on veut voir. Et ça on veut voir le nourrissage des loups. Ah, libération. Libération de, du dos et des fous. Par contre on en parle, cette enseigne là devant, est-ce que vous savez pourquoi c'est? C'est pour des grenouilles. C'est déjà. Pour des grenouilles déjà. La ronde des grenouilles, une enseigne comme ça. C'est la ronde des rondins. C'est pour des petites grenouilles comme ça, comme un bloc ça. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais là ça va aller mieux. Vraiment, une enseigne, la ronde des grenouilles, tout ça pour ce petit truc de rouge. Ouais, mais au moins il y a des grenouilles partout, il y a de la végétation. Le seul truc qui manque c'est de l'eau et t'as le fait par Twist est à droite ou. Ouais, à droite le Twist. Bah, t'as la crêperie à droite donc. Normalement tu veux faire une petite couille. Non, non, c'est bon, on l'a fait à Bobé. Comme à Bobé, non. On l'a fait à Bobé. Non, mais je vais le refaire. Voilà, fait un Bobé, King le Kong de Bobé, hein. Top 3 des meilleurs attractions à Bobé, ça fait. En plus, lui, les meilleurs, regarde, il a les yeux rouges. Il éclaire les yeux rouges. Ah ouais, au moins, il y a les yeux rouges. Ah, au moins, ça marche. Alors, tu fais quoi encore? Non, ah, on en a fait plusieurs. Ah, on en a fait deux en single. Oui, il y a une single là-dedans. T'as des singles partout ici. Oui. Ah, on a fait aussi deux Yukon Quad. Ouais. Voilà. Et où la single on est maudit. Ouais, la single on est maudit. On va en single, on attend, il n'y avait que 3 singles dont nous, on attend 20 minutes. On va en normal, c'est pareil. Il y a personne en single et il y avait 10 singles de passer. Ouais, il y avait 10 singles de passer en 20 minutes. Attention, le frère y arrive. Voilà. Il vient. Il vient. Ouais, bah il bouge plus dehors que dedans, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Ouais, Emmerich. Oui. Pourquoi tu m'as embarqué? Parce que c'est des tacos. C'est bien les tacos. Nous on a passé des teuf teuf mais dans le nord. Ouais mais on va être pas chez des tacos mec. Moi j'aime bien les tacos. Et en plus regarde, il y a des bambous. Ah non, il y a surtout un animal là. Ouais, merde, c'est pas vrai. C'est dommage ça. Bah c'est vraiment une bouffe. Regarde. Le panda, regarde, il fait un bouffe.
Ça c'est crédit ça. Super. Alors là, éléphant, hippopotame, girafe ou lion. Tout va bien. On met tous les animaux. Il me raconte c'est un projection de film. Ouais. Bon, on sort de trois singles de Fjord Explorer. Ouais, c'est vrai, il y a lui là. Quoi, il y a Steka? Tu veux le refaire? Il y a 5 minutes en plus. Oui, mais 5 ans. On a le temps avant de voir les loups. Et allez, le loup dans une heure. Oui, de toute façon, on va faire des concerts après les loups. Ouais. C'est très intéressant par contre. Il y en a une mandrille. Triple de balle. Alors là, lui, allez, c'est parti. Moteur, action. Et oui, bien sûr, c'est moi qui conduis aussi. Hein. Ah, dommage, y'a pas klaxon. Non, il fallait mettre un klaxon pour se tirer des animaux. Bon, attention, on va passer dans un tunnel. Merde, on va être coupé. Tunnel. Et là tu fais où? Hey, regarde, c'est des platines. Wout, attends, je cale. Cale comme toi tu faisais avant. Non, tu faisais pas ça, tu faisais avec un doigt. Tu faisais ça, voilà. Je faisais comme ça. C'est comme ça que tu faisais. Attends, c'est comme ça quoi, cale. Qu'est-ce que tu manges toi? Bah, ah non, il mange une guitare. Et lui, c'est une guitare, regarde. Il a pas compris le principe. Regarde. Le pal. Ça, c'est chez moi, ça. Très joli dessin, monsieur. Oh, le roi. Attention, King Kong. Attends, on va aller faire King Kong, tiens. King. Non, non. Non, mais... Et c'est la fin. Après Juliette et Jean. Juliette et Jean et nous on a Alice. Avec son frère et sa sœur, si on intervenait. Et de toute façon, si Taïga n'était pas dominé, ce sera un autre loup qui serait dominé. En fonction de la taille de la meute, il peut y avoir plusieurs dominés. Là, ils ne sont que trois, donc Taïga est la seule. À l'époque où elle a commencé à l'être, elles étaient deux. C'est parce que la meute était plus grande et qu'il y avait des louveteaux qui étaient nés. Je pense que c'est Loki. Oui, c'est lui. Leur père, alors, les loups du Canada, ils ont plusieurs couleurs. Les loups du Canada, ils vont du très blanc, comme vous avez peut-être pu le voir pour certains avec Taïga, à la couleur très noire en passant par toutes les teintes. Là, vous voyez, Loki et Skadi se ressemblent beaucoup. Ils ont du gris, un petit peu du marron, et ils vont aller vers vraiment sur toutes les teintes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas frères et sœurs, ça ne veut pas dire qu'ils sont d'une espèce différente. C'est vraiment le panel qu'il peut y avoir, comme chez certains chats, par exemple, où on peut retrouver différentes couleurs, même dans une même fratrie. Voilà. Oui, c'est un beau chat, hein, quand même. C'est un, même un beau chien. Allez, profitez de vous. Bah, merci bien, merci bien, on parle à vous, pour la dernière. Ouais, vraiment. Super sympa, les OP. Hein. Oh, non, oui, par contre, les OP, de ce pas, c'est... Prenez l'exemple, le parc Astérix. Ouais. Dis, c'est lui qui va travailler au PO par Castérix. Chut. Oui, effectivement.
comment ça pousse. Ah, le virage, c'est vraiment beau lieu de fer. Ah, le virage après le deuxième launch, ça, il pousse au first. Oh. Ah, et si celui-là, il pousse encore plus. Oh, entre 3 et 4. Ah, oui, c'est. T'as pas de voile, mais. Bonjour, le famille, quand même. Hein. Excellent. Bon, 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 bon. Discuter avec un coaster fan en fait. Oui, oui, bah. Ouais. Ça se trouve, je pense qu'on s'en va. Bon, prêt pour le dernier ride. On est toujours au first par contre, hein, parce que le first, voilà. Ah oui, bah, comme dirait l'autre. Information, il y a une autre là-bas. Ouais. Qui s'appelle Taiga. Taiga, voilà. Comme ça, c'est ouais, pareil. Voilà, c'était le dernier ride. Voilà. Excellent. Très bon, très très bon. C'est excellent vraiment pour un family, hein. Franchement c'est vraiment le meilleur family qu'on a fait et de loin, enfin de loin, peut-être pas à vous des fraises aussi au parc Saint-Paul qui est génial, mais lui au first, oh ça pousse bien, oh que ça pousse bien, c'est excellent, super journée qu'on a passé au pal avec Emmerich, franchement on reviendra un jour, franchement ouais, on reviendra. Allez, sur ce je vous laisse et je vous dis sans longue et à la prochaine le pal.